Trésor, mémoire de radio, présente. Trésors, mémoire de radio, présente. 13ors, mémoire de radio, présente. 13ors, mémoire de radio, présente. Nous sommes dans les années 50. Dalida est l'une des chanteuses les plus populaires de France. Ses chansons sont sur toutes les lèvres. Elle a vendu plus de 10 millions de disques. Mais la joie de vivre, Dalida ne la connaît que dans ses chansons. À plus de 30 ans, elle vit seule. Elle rêve d'enfants et de mariage. Et c'est alors qu'elle va faire la rencontre qui va bouleverser sa vie. Le point fondateur de la rencontre, c'est chez elle, lors d'un dîner qu'elle organise à Montmartre, dans sa maison de Montmartre. Elle rencontre les responsables de sa maison de disques italienne, qui viennent avec un jeune artiste. Ce jeune artiste italien, le voici, il s'appelle Luigi Tenco. Il a 33 ans, il a déjà enregistré quelques disques, mais il a du mal à percer. Il faut dire que son style, mélancolique, un peu intello, n'est pas vraiment le genre en vogue à l'époque. Luigi Tenco était un artiste un peu particulier en Italie, dans la mesure où il faisait partie un peu d'une vague de chansons contestataires, une chanson un peu engagée. C'est un poète italien écorché vif, dans une Italie qui sort du twist et du rock'n'roll, et vraiment, on ne mise rien sur lui. Tenco ne parvient pas à séduire le public italien, mais il a tous les atouts pour séduire Dalida. Il a un visage, une expression comme ça, très sombre, mais c'est un beau jeune homme. Un Italien ténébreux, l'œil de braise. Une forte électricité va passer entre Tenco et Dalida pratiquement tout de suite. Ça va être presque immédiat. Il se sent vu, il se sent pu, il se sent aimé, voilà. Rapidement, Luigi Tenco comprend que Dalida peut l'aider à se faire connaître. Alors il lui demande d'être sa marraine au concours le plus populaire de la chanson italienne, le concours du Festival de San Remo. Il sait que le Festival de San Remo est la plaque tournante de la chanson italienne. Depuis le début des années 50, c'est là que le monde entier vient faire son marché pour chercher des chansons qui vont être adaptées en toutes les langues. Et lui dit, voilà, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour chanter avec moi, puisque le système et le principe de San Remo, c'est la même chanson par deux interprètes différents. C'était pour faire plaisir, je crois, à Luigi Tenco qu'elle a accepté. Amoureuse, Dalida va donc accompagner Luigi Tenco à San Remo. À cet instant, elle est loin d'imaginer quel drame va alors la frapper. Le 17e festival de San Remo commence le 25 janvier 1967 et la cité balnéaire italienne est dans l'effervescence. Dalida et Luigi sont venus défendre leur chanson, mais leur liaison, ils ont souhaité la garder secrète. Tout ça reste très clandestin. Elle craint un peu la presse people, la presse du cœur de l'époque. Donc elle décide de tenir secret cet amour. Il faut bien se rendre compte que dans les années 60, en Italie, Dalida a la même popularité que celle qu'elle a en France. Seuls sont dans la confidence quelques proches, comme l'homme de leur maison de disques italienne, Paolo Dossena, à qui quelques heures seulement avant le début du concours, ils ont confié leur projet de mariage. Il y avait Dalida et Luigi. Il avait une bouteille de champagne
en disant on veut vous communiquer une décision qu'on a prise. On va se marier à Paris et on a décidé. Dalida est tout à son bonheur. Elle n'a pas mesuré que Luigi, lui, est rongé par l'angoisse à propos du festival. Ce festival de San Remo est un rendez-vous important pour lui avec le public. Donc il doit réussir. S'il rate, il sait que sa carrière, c'est fini. Il pourra pas aller plus loin. À 20h30 précise, le concours du festival de San Remo débute sur tous les écrans d'Italie. Les premiers candidats commencent alors à se succéder sur scène. Mais en attendant son tour, dans les coulisses, Luigi Tenco supporte difficilement la pression. C'est quelqu'un qui a tendance à facilement boire s'il est dans un état d'angoisse, de stress. Et au fur et à mesure que les candidats passent sur la scène, il est de plus en plus stressé, de plus en plus angoissé. Il était dans un état incroyable. Il buvait de l'alcool, il prenait des cachets pour se calmer. Enfin, pour se calmer, ça ne l'a pas calmé tellement. Quand il monte sur scène avec le grand orchestre derrière lui, il est tremblant de peur, il sait qu'il joue sa vie. La chanson de Tenco est excellente. Ça, c'est déjà le postulat de base. C'est une énorme mélodie. Mais les Italiens ne le voient pas. Car Luigi Tenco, ce soir-là, a la gorge nouée. Il n'a jamais aussi mal chanté. Il a perdu ses moyens, il a une voix faiblarde, il est renfrogné, il est renfermé, il chante mal, il n'est pas en place, l'orchestre le dépasse complètement. Il y a eu quelques sifflets, il n'y a pratiquement pas eu d'applaudissements, il est sorti décomposé de scène. Dalida se rend compte qu'il n'a pas été bon, qu'il n'est pas allé vers les gens et qu'il n'a pas chanté sa chanson comme il aurait dû le faire. Donc elle va, elle, y aller de tout son cœur et chanter à son tour Ciao Amore Ciao avec fougue et avec allant. Quand elle a chanté elle la chanson, c'était le délire dans la salle. Elle va évidemment conquérir le public, les gens sont debout, tout le monde trouve la chanson formidable. D'ailleurs tout le monde m'en a dit, mais il n'y a pas de problème, c'est la chanson qui va gagner au festival de San Remo. Mais le triomphe de Dalida ne va pas rattraper la prestation de Luigi aux yeux du jury. Il est un peu plus de minuit et demi lorsque le verdict tombe. Ils sont venus nous dire que la chanson, elle a été éliminé du premier coup. Il passera même pas le cap de cette première soirée. Sur 900 votes, la chanson de Luigi Tenco n'a obtenu que 38 voix. Donc c'est la claque totale. Et là, il est devenu comme un fou. Ensuite, il y a le grand dîner de gala organisé à l'issue du spectacle. Et Luigi ne souhaite pas s'y rendre. Il est dans un état d'abattement tel qu'il dit à Dalida, vas-y seul, moi je rentre à l'hôtel. Dalida n'est pas restée plus d'un quart d'heure au dîner de gala. Inquiète pour Luigi, elle a préféré rentrer rapidement à l'hôtel. Mais devant la chambre 219, celle de son amant, elle a une surprise. La porte est ouverte. Elle pense d'abord qu'il a un malaise, elle l'appelle, le secoue un peu et quand elle le retourne, c'est là qu'elle se rend compte
qu'il y a une tache de sang. Elle a vu l'horreur, alors elle s'est mise à crier, à hurler pendant un temps indéfini. Quand on a entendu hurler et tout, évidemment qu'on a couru dans la chambre voir qu'est-ce qui se passe. Et on va venir et voir cette scène absolument terrible de Dalida couverte de sang avec le corps de Tenko lui-même couvert de sang. À ce moment-là, c'est vrai qu'elle pique une crise de nerfs épouvantable, elle est hystérique. Elle est accrochée au corps de Luigi et il faut que les personnes qui arrivent à la rescousse essayent de la séparer du corps de son amant. Luigi Tenco a laissé un mot avant de se suicider. Il reprochait aux gens, ou au public, ou au monde en général, de ne pas comprendre les chansons et d'être injuste envers les chanteurs. Je n'ai pas fait cela parce que j'en ai assez de la vie, bien au contraire. Mais comme un acte de protestation contre le public. Il n'y avait absolument rien concernant Dalida. Et pour elle, ça va être douloureux, ça, qu'il n'y ait rien pour elle dans le petit mot qu'il a laissé. Traumatisée, Dalida est escortée par ses proches, qui lui font quitter l'hôtel dans la nuit même et regagner Paris de toute urgence. La chanteuse est complètement anéantie. C'était un cauchemar, quoi. C'est un vrai cauchemar. Elle qui n'arrêtait pas de pleurer, c'était affreux. En perdant Luigi, Dalida a perdu le grand amour de sa vie. Elle va bientôt décider de le rejoindre. Un mois plus tard, Dalida s'apprête à retourner en Italie. Elle souhaite y rencontrer l'oncle du chanteur et elle doit prendre cet après-midi-là un vol pour Turin. Du moins, c'est ce qu'elle a dit à sa cousine Rosie. Oui, elle a fait sa valise, elle avait son billet d'avion et mon mari et moi, on l'a accompagnée à Orly. Elle est rentrée, elle a fait le check-in, tout comme si elle partait. D'ailleurs, elle a dit, allez-y, rentrez chez vous, là, vous n'allez pas attendre que l'avion parte, etc. Et tout. Comme ça, on est parti. Et là, il la laisse au moment où elle va, évidemment, partir et embarquer pour son avion. Ce qu'ignore sa famille, c'est que Dalida a menti. Elle n'a aucune intention de prendre l'avion. Elle va rester une heure à Orly, être sûre qu'ils sont bien partis, qu'il n'y a plus personne va la voir, etc. Dans les toilettes, elle va mettre des lunettes noires, un foulard et des lunettes noires pour être pas trop reconnaissable. Elle prend un taxi, elle se fait conduire à l'hôtel Prince de Galles. Cet hôtel, Dalida ne l'a pas choisi par hasard. C'est dans ce palace parisien qu'elle retrouvait Luigi Tenco en secret quand il lui rendait visite à Paris. Quand elle est arrivée à la réception du prince de Galles, elle s'est présentée bien sûr de manière anonyme et elle s'est fait inscrire sous son véritable patronyme, Yolanda Gigliotti. À la réception, elle a demandé à ce qu'on ne la dérange sous aucun prétexte. Elle va mettre un peignoir bleu ciel, elle va se peigner de manière à avoir la coiffure la plus simple possible. Et c'est comme si à ce moment-là, elle avait quitté en quelque sorte son déguisement de star, si vous voulez, pour aller rejoindre Tenko. Dalida écrit plusieurs lettres d'adieu.
Dans l'une d'elles, elle dit au revoir à son public. Dans une autre, elle demande à sa mère de lui pardonner son geste. Et à ce moment-là, dans cette chambre d'hôtel, elle décide de mettre fin à ses jours en avalant une quantité assez importante de barbiturique. Elle avait des comprimés qui lui ont été donnés puisque depuis la mort de Tenko, elle ne pouvait plus dormir. Elle les a stockés et elle en a une quantité considérable. Et quand elle les a tous avalés, seulement à ce moment-là, elle va s'allonger sur le lit. Elle va être trouvée dans cette position-là. À l'hôpital Fernand Vidal, Dalida est plongée dans un profond coma. La chanteuse est entre la vie et la mort. Elle est restée dans le coma, oui, un certain nombre de jours, et les médecins ne donnaient pas cher d'elle. Il s'est écoulé un certain nombre de temps, quand même, d'heures, avant qu'on ne la découvre. Et plus le temps passe, plus ça joue contre la personne qui a absorbé des doses en telle quantité. Elle va s'en sortir, disent les médecins, c'est quasiment miraculeux, parce qu'elle a cette énorme énergie, cette énorme force vitale. Quand elle se réveille, sa mère n'est pas loin. Et elle demande pardon à sa mère. Elle lui promet qu'elle ne recommencera plus. Sa mère, qu'elle adore et qui l'adore, est là, complètement en larmes. Elle se rend compte de ce qu'elle a fait. Ne fais plus jamais ça, ma petite fille. Enfin bon. Et donc, c'est ce sentiment absolument terrible d'avoir, en plus, fait souffrir ses proches. À l'instant où elle est revenue à la vie, contrairement à beaucoup de gens, à beaucoup de suicidés qui reprochent aux autorités médicales de les avoir sauvés, Dalida les a remerciés et a dit qu'elle voulait vivre à présent. Elle ne voulait plus que vivre. Lorsque Dalida sort enfin de l'hôpital, elle semble aller mieux. Mais les blessures sont toujours là. Voici la toute première apparition télévisée de Dalida après son suicide raté. Le public va tomber littéralement sous le charme, car elle revient avec une chanson dont les paroles prennent alors tout leur sens. Elle chante ce texte où elle dit « Je pousse les grilles de ma maison et que c'est bon de revenir chez soi », qui est un texte super symbolique. Tout le public sur scène est avec elle et lui dit oui. Les grilles de sa maison. Et le studio de Guy Lux, qui n'est pas très grand, lui donne une telle bouffée de chaleur humaine qu'elle va s'en nourrir. Et elle va en pleurer, je crois, d'émotion, de se rendre compte qu'elle est si importante pour des gens qu'elle ne connaît même pas. Dalida semble transformée. Plus qu'une chanteuse de variété, elle devient, ce 8 juin 1967, une icône. Son comeback à la vie, comme on dit, qu'elle a commencé à s'habiller sur scène autrement, avec des robes longues, avec ses cheveux longs. Elle faisait très madone, quoi, vous voyez. Quand elle faisait des tournées, qu'elle voyait les femmes avec des enfants, des bébés, il fallait que Dalida embrasse le bébé parce que c'était une sainte. Il pensait peut-être qu'elle était ressuscitée vraiment, je ne sais pas. Pourtant, Dalida n'est pas complètement guérie de son mal de vivre.
preuve en est. Cette émission de télévision présentée par Pierre Tchernia, réalisée près de 2 ans après son suicide. On y voit Dalida devant la France entière, craquer en écoutant « Ciao amore ciao », la chanson maudite de San Remo. Je ne peux pas l'écouter, moi je n'ai jamais écouté. Je la chante, mais je ne peux pas l'écouter. En réalité, Dalida ne se remettra jamais vraiment du suicide de Luigi Tenco. C'est à cette époque, d'ailleurs, qu'elle se met en quête de spiritualité. Elle rencontre Swami Prajnampad, un sage hindou, et avec lui, elle retrouve un sens à sa vie et à sa carrière. Vas-y Yolanda, il l'appelle Yolanda, c'est ta mission, tu es là pour réjouir les gens et pour leur servir ta musique. Et du coup, dans la vie de Dalida, tout va changer. Parce que chanter ne devient pas quelque chose d'illusoire et de dérisoire, mais devient véritablement une mission. Seulement au début des années 70, Dalida va devoir affronter une nouvelle épreuve. Ce soir-là, l'homme qui fut l'amour de jeunesse de Dalida, avant Luigi Tenco, va se suicider. Il s'appelle Lucien Morris, il a 41 ans. Rosie, la cousine de Dalida, se souvient que cette nuit-là, la chanteuse a fait un rêve prémonitoire. C'est vrai, elle avait fait un rêve, je me souviens. Enfin, elle s'est réveillée pas bien. Et bon, avec un coup de fil, on a appris la mort de Lucien, que ça l'a vraiment bouleversée. Dalida a épousé Lucien Morris le 8 avril 1961 à la mairie du 16e. Ils se connaissaient depuis plus de 6 ans. Car Lucien Morris était le directeur artistique d'Europe 1. C'est lui qui, en 1956, a découvert Dalida. C'est lui qui lui a trouvé la chanson qui l'a propulsé numéro 1 des ventes. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfant. Et tu as toute la vie pour souffrir comme elle est grande. La chanson Bambino est matraquée sur les ondes constamment. On ne pouvait pas ouvrir Europe 1 sans écouter tous les quarts d'heure ou 20 minutes Dalida. E gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Il va tout lui apprendre, Lucien Morris. Ça va être son mentor, son Pygmalion. Elle fait partie, Dalida, des filles qui ont été douées, c'est vrai, mais qui ont été très aidées aussi. Lucien Morris lui a appris à parler, à se tenir sur scène, à se maquiller, à s'habiller. Dalida est donc au sommet de la gloire le jour où elle s'unit à Lucien. Mais cette union va être de courte durée. Elle veut profiter de la vie, avoir en particulier des enfants. On lui dit mais il faut attendre quand ça marchera moins bien. Elle a beaucoup travaillé déjà, elle a du succès. Et maintenant, à quoi ça sert le succès si on ne peut pas vivre véritablement? Et pour Lucien Morris, vivre c'est le travail. Et pour Dalida, non. Du coup, un mois à peine après le mariage, Dalida tombe sous le charme d'un autre homme, un jeune aristocrate d'origine polonaise, Jean Sobieski. Avec Lucien, la rupture est totale, sentimentale, mais également artistique. Il va la boycotter professionnellement, donc ses disques ne passeront plus à l'antenne. Tous les créateurs de musique ne donneront plus vraiment leurs bonnes chansons à Dalida en disant qu'on risque de se faire mal voir. Tout Paris pense que c'est fini, d'autant que c'est en pleine période du yéyé, que le yéyé, c'est pas du tout le truc de Dalida. Dalida, c'est la chanson à voix. Dalida, avec son accent... j'allais dire rouleur, en roulant les airs, comme ça, on disait c'est dépassé, c'est démodé. Sans Lucien Morris, de qui elle est désormais séparée,
Dalida va devoir maintenant toute seule prouver à la France entière qu'elle n'est pas démodée. Et vous allez voir, certains vont tout mettre en œuvre pour l'en empêcher. Ce jour-là, Dalida se produit sur l'une des plus grandes scènes parisiennes, le mythique Olympia. L'enjeu est énorme. Car elle sait que si ce spectacle n'est pas un succès, sa carrière sera terminée pour toujours. Le 6 décembre 1961, Dalida affronte ses juges. Tous les journaux d'ailleurs ont titré depuis le matin « Lalali pour Dalida », enfin c'est la fin, tout est fini. Sans son mentor et son Pygmalion, elle n'est rien. Dans la presse, partout, il y avait un débat pour ou contre Dalida. Donc tout le monde n'attend qu'une chose, c'est qu'elle se casse la gueule. Et les ennemis de Dalida sont acharnés. Comme le prouve ce qui va se passer quelques minutes seulement avant le début du concert. Dans sa loge, pendant qu'elle se préparait, Dalida a reçu une couronne mortuaire. Sous la couronne, il y avait marqué à la chanson défunte « Vive Edith Piaf ». C'est un coup terrible qu'on lui fait. Évidemment, hein, pour lui casser le moral juste avant un moment très difficile où on sait bien que l'artiste a besoin de se concentrer avant de passer en scène. Et donc, ça veut dire qu'on souhaite sa mort. À ce moment-là, elle va demander aux gens de sortir de la loge, même les gens très proches, et de la laisser seule. Personne ne saura jamais qui a envoyé à Dalida cette couronne mortuaire. Il est 21h, Dalida doit maintenant entrer en scène. De l'autre côté du rideau, la salle est comble, il y a la presse, le Tout Paris et Lucien Maurice. Sur scène à ce moment-là, il y a un moment de léger flottement parce que c'est quand même difficile. Elle sent la salle très froide, elle sent qu'on la guette. Et elle fait ce qu'elle aurait jamais dû faire, c'est-à-dire qu'elle commence avec une chanson qui est un twist. Elle est gauche, la voix est haut perché, limite agressive, et donc ça ne marche pas du tout, du tout, du tout, du tout. On se dit, bah, on avait raison, elle chante pas très bien sur scène, c'est pas ça. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Elle se met à chanter, non pas une chanson italienne, latino, non pas un twist, mais une chanson d'émotion. Et depuis lors, je me sens vivre parce que je t'aime. Et depuis lors, je me sens vivre parce que je t'aime. Et là, la salle va être d'abord tétanisée, ensuite complètement subjuguée, qu'elle arrive à chanter « Je me sens vivre parce que je t'aime ». Il y a une telle force, une telle émotion quand elle chante ça, que ça fonctionne. Et la salle entière se lève, tout le monde est debout, et elle a gagné. Parce que je t'aime, je suis aimé de toi. Et Lucien Maurice est le premier à se lever pour applaudir. Ce soir-là, Dalida a prouvé à tout Paris et à Lucien qu'elle peut enfin exister par elle-même. Bon, après, Lucien, il s'est marié, il a eu des enfants. Ils sont restés toujours, une grande amitié est restée entre eux. Et c'est une des personnes, je crois, que Dalida a aimé le plus, vraiment. Je pense que Lucien Maurice et Dalida, c'est un amour indestructible. Alors, lorsque Lucien Maurice se donne la mort en 1970, Dalida est sous le choc. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on... Ce jour-là, aux obsèques de Lucien Maurice, Dalida peut penser que décidément le destin s'acharne. Entre les mots
Il est le deuxième homme de sa vie à avoir décidé de partir. Il ne sera pas le dernier. Qui s'en va faire sa nuit. Nous sommes au milieu des années 70 et Dalida pense enfin avoir trouvé la sérénité et le bonheur. Et ce, grâce au nouvel homme de sa vie. Il s'appelle Richard Chanfray, un playboy déjanté et un peu affabulateur. Seulement comme Luigi et comme Lucien, Richard Chanfray va connaître un sort tragique. Quand Dalida le rencontre, il se fait appeler le comte de Saint-Germain. C'était un être fantasque, flamboyant. Il a le sens de la mise en scène, alors il se promène à l'époque avec une grande cape dans les soirées, vous voyez. Il est médium, il se dit alchimiste. Voilà, enfin, il raconte des tas d'histoires comme ça, ça amuse beaucoup. Il va aussi savoir amuser Dalida, qui a beaucoup besoin d'être amusée. Il la rend plus heureuse qu'aucun homme ne l'a jamais rendue heureuse. C'est là qu'elle est vraiment épanouie. On voit les photos de cette époque. D'ailleurs, elle est dans toute la plénitude de sa féminité. Elle est très belle. Elle a l'air d'une femme heureuse et aimée pour la première fois de sa vie. Dalida est donc au sommet de sa beauté, mais aussi de sa gloire. C'est à cette époque qu'elle signe ses plus grands succès. Ça le rendait presque insolent de certitude. Gigi l'amoroso, rompeur d'amour, l'aigle de l'ours comme une caresse. Seulement au fil du temps, Richard Chanfray va montrer une facette de sa personnalité que Dalida ne connaissait pas. À partir du moment où ça marche vraiment entre eux, il va commencer à devenir désagréable, il boit, il conduit trop vite en voiture, il lui fait peur. Il pouvait, dans un dîner, gâcher un dîner, Dalida, en tenant des propos racistes alors qu'il ne l'était pas. Oui, c'était un type assez brutal, et il a fait souffrir Dalida, incontestablement. Malgré tout, en 1980, Dalida va trouver la force de se lancer le défi le plus risqué de sa carrière, remplir le Palais des Sports, la plus grande salle parisienne, avec un show à l'américaine, comme on n'en avait jamais vu en France à l'époque. C'était beaucoup de travail, elle a beaucoup, beaucoup travaillé. Elle aimait se prouver à elle-même que même est cinquantenaire, elle pouvait bouger et lever la jambe aussi bien que des jeunes danseuses à côté d'elle. Dalida donne un nouveau souffle à sa carrière. Dans son spectacle, elle se donne à fond alors qu'elle approche de la cinquantaine. Les tenues sont suggestives, les chorégraphies enlevées et le répertoire dépoussiéré. Dalida, elle a réussi sa conversion une fois de plus après avoir traversé le twist, le jerk, les chanteurs rive gauche des années 70. Là, elle arrive à se positionner au milieu de tous les jeunes qui font du disco. Et ça, c'est super fort quand même. Dalida prouve artistiquement qu'elle est toujours présente, qu'elle est toujours là, qu'il faut compter avec elle. Et c'est d'ailleurs à partir de Palais des Sports que toutes les critiques et tout le monde était d'accord de dire Dalida la grande. Finalement, c'est une transformation totale. C'est plus qu'une évolution, je crois, chez moi. C'est une forme de transformation. Dalida va rester 18 jours à l'affiche du Palais des Sports, un succès total. Elle ne peut pas se douter que son destin va la rattraper. Juillet 83, on retrouve le corps sans vie de Richard Chanfray. Il s'est suicidé dans sa voiture. Et même s'ils étaient séparés depuis quelque temps, la nouvelle provoque chez Dalida un choc d'une incroyable violence. Après Lucien, après Luigi, après le troisième homme de sa vie qui se fout en l'air, évidemment, même s'ils étaient séparés, ça lui a foutu un grand coup. Avec cette mort, elle est tombée. Il y a des morceaux qui sont tombés. Au cours d'une soirée comme ça, très déprimée, elle me dit quand même, je me demande si je ne suis pas maudite, parce que tous les hommes finalement qui m'ont aimé finissent par se suicider. Dalida se croit maudite. Désormais, elle est psychologiquement fragile.
D'autant qu'après ses amours, ce sont ses amitiés qui vont lui porter malheur. Et notamment, une amitié présidentielle. Nous sommes en mai 81. Les Français viennent d'élire un président de gauche. Le moment est historique. Le jour de sa prise de fonction, François Mitterrand a décidé de se rendre au Panthéon, entouré de ses plus proches partisans. Avec François Mitterrand, on avait établi la liste des amis qui l'accompagneraient. Et dans cette liste figurait évidemment en première ligne Dalida. C'est la seule artiste populaire à faire partie de cette équipe du président Mitterrand. Tout d'un coup, elle s'est prise pour la Marianne de la France, c'est vrai. Il faut dire ce qui est. Elle était là, tout habillée de rose, resplendissante, heureuse, épanouie, à quelques pas de François Mitterrand. Bon, c'était une image forte et belle, inoubliable. La star et le tout nouveau président sont en fait de vieilles connaissances. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 1972. Elle n'était pas vraiment de gauche ou de droite. Elle disait toujours qu'elle n'avait pas de dogme à défendre. Elle aimait des hommes. Mais quelle a été la vraie nature des relations entre Dalida et François Mitterrand ? Il y a un mois, Paris Match publiait les bonnes feuilles d'un livre consacré à la chanteuse et signé par la veuve du psychanalyste Guy Pichal, un proche de Dalida. L'histoire d'amour entre Dalida et François Mitterrand ne fait aucun doute. Jacqueline Pichal en aurait recueilli la confidence lors d'un dîner avec Dalida en 1979. Elle parlait d'un homme qu'elle était amoureuse et je lui ai dit un jour à table, je lui ai dit « mais dis-moi, l'homme dont tu parles, ce fameux François, il n'a pas la cocarde bleu, blanc, rouge dans son cœur par hasard ?» Alors elle est devenue rouge comme une collégienne. Elle me dit « chut !» Elle me dit « il faut le dire à personne !» Cependant, le livre de souvenirs de Jacqueline Pichal est violemment contesté par le frère de Dalida, Orlando. Pour moi, c'est la démarche pathétique d'une personne qui est assoiffée de gloire, de reconnaissance, de célébrité. Il ne faut jamais oublier que M. François Mitterrand, c'était un grand séducteur, tout le monde le sait, que Dalida était une belle femme. Il y avait peut-être une complicité de séduction, sûrement s'il y a eu au début, peut-être, parce que personne ne pourra le dire, jamais personne. C'est pour ça comment on ose affirmer des choses qu'on n'a pas vécues. Une réponse pour le moins évasive. Catherine Riwa, l'auteur de la biographie officielle de Dalida, est-elle plus précise ? Il est à peu près certain qu'il y a eu une liaison entre eux pendant quelques temps. Ensuite, cette liaison s'est transformée en une amitié. Une amitié qui a servi la cause du Parti Socialiste pendant la campagne présidentielle de 1981. Il faut savoir qu'en 1980, Dalida est d'une immense popularité. Et l'entourage de Mitterrand se dit, c'est Dalida, c'est un argument de poids. Elle peut peser pour la campagne électorale. La gauche inspirait une certaine crainte. Nos adversaires donnaient à penser que si la gauche l'emportait, ce serait la faillite. Donc il y avait une certaine peur. Et qu'une personnalité comme Dalida, qui fédérait un grand nombre de Français, apporte son soutien à François Mitterrand, en effet, c'était une manière de dire « ayez confiance ». Au lendemain de la victoire de François Mitterrand, une grande partie de la France est en liesse. Dalida, elle, va déchanter. Une fois que Mitterrand est arrivé au pouvoir, elle n'a pratiquement plus de nouvelles de Mitterrand. Ils ont eu besoin d'elle pour arriver au pouvoir, et maintenant ils n'ont plus besoin d'elle. C'est absolument normal, en quelque sorte. On sait ce que c'est qu'une campagne électorale. Mais elle ne l'a pas vécu comme ça. Elle s'est ressentie rejetée. Elle a beaucoup souffert. Ce que Dalida ne sait pas, c'est que ce soutien aux socialistes va aussi porter un coup terrible à sa carrière. Et c'est vrai que pour la suite, Dalida a payé les pots cassés de ça en 82, tout ça, puisque tout le monde lui a tourné le dos. En fait, elle a un public qui est un public plutôt conservateur, plutôt de droite. Et donc, ça apparaît comme presque une trahison. Ils ne comprennent pas. On se dit de quoi elle se mêle, etc. Et donc, les vents de l'isque vont beaucoup s'en ressentir. Les galas en province se sont un petit peu raréfiés. C'est vraiment un moment où elle paye le prix de cet engagement-là. Et pour couronner le tout,
Dalida devient également la risée d'une partie de la presse. On se moquait d'elle. Elle s'est vue traitée de tous les noms. Et elle ne supportait pas ce rôle qu'on lui donnait de courtisane. Dalida craque. Elle choisit le silence et l'exil. Elle part en tournée à l'étranger et disparaît totalement des plateaux de télévision pendant plus d'une année. Quelques mois passent. Dalida est de retour. Son sourire est là, certes, mais il ne lui sert plus qu'à sauver les apparences. Car la chanteuse, moralement, ne va pas bien du tout. Quand on regarde les passages télé de Dalida les dernières années, on sent quelque chose d'une lassitude. Donc les amis sont inquiets et les fans se rendent compte aussi. Il n'y a plus la lueur dans son regard. Et un soir d'octobre 1985, sur un plateau de télévision, Dalida va faire le terrible aveu qu'à 50 ans passés, elle considère sa propre vie comme un échec total. Une question dans la salle ? Avec joie. Alors, allez-y. Bonsoir Dalida, bonsoir Patrick. Bonsoir. Je m'appelle Dominique, je suis étudiante. Il y a une dame qui lui pose une question très très difficile. Voici ma question. Jugez-vous que vous avez réussi votre vie, sachant que vous n'êtes ni épouse, ni mère ? Et là, l'instant de vérité, grand silence, que peut-elle répondre ? Évidemment, elle ne va pas tricher parce qu'elle a rarement triché, Dalida, et encore moins ce jour-là. Elle n'a plus envie de tricher. Elle dit oui, peut-être vous avez raison. Je dois dire que ma vie privée, finalement, je ne l'ai pas réussi du tout parce qu'aujourd'hui, je me retrouve toute seule. Et en plus, j'ai un grand regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir des enfants. C'est-à-dire qu'au moment où je pouvais les avoir, je pensais à ma carrière, je n'ai pas pensé à les avoir. Et puis, malheureusement, un jour, il y a quelques années de cela, même quelques temps, j'ai dû entreprendre une opération chirurgicale qui m'a empêché pour toujours d'avoir des enfants, et c'est mon grand regret. Sur ce plateau de Sabatier, elle se rend compte avec effroi que rien n'a marché. Elle est arrivée à une période où tout était axé sur sa carrière. Tout, sans exception. Et que ça ne lui suffisait plus. Voilà. Elle avait besoin d'autre chose. Alors en 1986, Dalida accepte un premier rôle dans un film, Le sixième jour de Youssef Chahine. Mais ce rôle tragique va alimenter ses angoisses. Le sujet du film, bon, c'était très triste. Et elle s'était prise au jeu en plus de ce personnage, que c'est une mère qui perd son enfant. C'est un film très difficile, c'est une Dalida qu'on ne connaît pas du tout, c'est une tragédienne. C'était un rôle de tragédienne, c'était un peu ingrat, j'ai fait beaucoup de concessions. Elle-même d'ailleurs, elle nous disait « Je n'arrive pas à me défaire de ce personnage de Sadika ». C'était la femme du film. Je ressemble un peu à cette femme parce que je suis quelqu'un de très intérieur et je crois que je l'ai bien bien compris. Je suis bien rentrée dans sa peau. Elle m'a habitée pendant plus de 3 mois. C'est pas ça qui a donné le déclic, disons, mais ça a contribué à sa dépression, quoi. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Dalida vivait de plus en plus enfermée dans la rue d'Orchamps, sans ouvrir les volets. Elle n'avait plus envie de sortir, de voir des gens. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu parles. Je n'ai plus de vie. Des témoins racontent qu'elle pouvait errer toute la journée d'une pièce à l'autre sans voir la lumière du jour. Quand tu t'en vas, je suis. À la fin de l'année 1986, une liaison avec un homme d'une cinquantaine d'années sort Dalida de sa solitude. L'espoir renaît, mais franchement pas pour longtemps. Dalida rencontre un homme en 1986 dont elle est vraiment éprise, un médecin qui s'appelle François, qui lui raconte des histoires invraisemblables, qui va l'épouser, divorcer, etc.
Et elle apprend que c'est pas possible de toute façon, qu'il est marié, père de famille. Et ça va faire bien. Vous savez, elle s'est dit, ben voilà, c'est. Elle avait quoi déjà 54 ans. Elle s'est dit, c'est fini, quoi, qu'est-ce que je fais là? Pour Dalida, c'est une déception de plus. Sans doute la déception de trop. À toi, je suis fatigué, je suis épuisé. Dalida a choisi de mourir le soir du 2 mai 1987. Comme elle l'avait déjà fait 20 ans plus tôt, elle a minutieusement planifié son suicide. Elle a menti sur son emploi du temps, à son entourage et à sa femme de chambre. Elle a dit qu'elle allait voir un spectacle. Elle a dit à sa femme de chambre que, de sortir. Et elle l'a accompagnée chez des amis pour être sûre qu'elle ne soit pas là. Pour rester seule chez elle, le temps qu'on ne puisse pas la retrouver vivante. Voilà. Les barbituriques avec un verre de whisky qu'elle a pris le soin de monter du salon. Elle sait que l'effet whisky et barbiturique va décupler l'effet des médicaments. Et puis elle s'allonge sur son lit, les cheveux en couronne autour de son visage. Dalida avait toujours une peur terrible de l'obscurité. Depuis qu'enfant, elle avait dû supporter un bandeau sur son visage après avoir eu des problèmes oculaires. Dalida est quelqu'un qui a peur de l'obscurité. Elle dort toujours avec une veilleuse. Et pour la première fois, geste hautement symbolique, elle éteint la lumière. Là, c'est vraiment la fin du voyage. On a trouvé un petit mot, un petit papier sur deux lignes. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est en début de soirée que nous avons appris le décès de Dalida. La chanteuse, âgée de 54 ans, a été trouvée dans sa maison de Montmartre, à Paris, ce dimanche après-midi. Elle s'est suicidée au barbiturique. Elle était très seule en ce moment. Elle était très seule. Je sais pas, j'ai l'impression que... Bon, la solitude, c'est un peu le fait des grands artistes, mais enfin, c'était une solitude un peu exagérée. Et ce sont les voisins non plus qui ne comprennent pas. Ce qui revient le plus souvent, c'est « elle était gentille, elle était si gentille, Dalida ». Tout à l'heure, dans la foule, un prénom a été murmuré. Marilyn, Marilyn, elle est morte comme Marilyn. Par autorisation spéciale, la messe des funérailles de Dalida a été dite à la Madeleine. L'église Saint-Jean de Montmartre aurait certainement été trop petite pour accueillir la foule.
pense qu'il y avait un moment qu'elle avait décidé de partir, quoi, qu'elle se sentait un petit peu détachée et qu'elle avait un regard extérieur par rapport à la vie. Est-ce qu'elle était usée? Est-ce qu'elle était fatiguée? Est-ce que ça devait être... Est-ce que c'est le destin? À un moment, elle a certainement crié au secours, peut-être quelques années avant, et il n'y avait personne.